bougez pas de là, entendez? On n'est pas seul.
Continue. Je t'en supplie. J'espère juste que je serai encore là. L'ennemi est là! Aidez-moi, Trevor! Faites attention! On a un soldat mort. Faut trouver qui a fait ça. Il a tenu. Oui. Maintenant, où est Arnaud ? Il faut aller plus vite. Ils vont le tuer. On fait tout ce qu'on peut. S'il le tue, moi je les tuerai tous. Nous allons le sortir de là. Et ça.
Attention en descendant. Tout de suite. Sauver, même s'il ne le mérite pas. Je vois. C'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. On monte. Oui. Encore.
te le promets. C'est terminé maintenant. On y est arrivé, Hugo. Oui. Respire. Calme-toi maintenant. Allons libérer Arnaud, d'accord? Oui. S'il vous plaît. Alors allons-y. Hugo dit que c'est à lui. Sophia ! Vous en avez mis du temps. Tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Elle reviendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus mal. Thank you.
Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Je suis là si tu as besoin de parler. Ah, d'accord. Oh, de l'air frais. La rascasse. Tu nous as sauvés. Il s'est évanoui. Reste là. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Crois-moi. Comment est la vue ? C'est beau. À quoi tu penses ? Tu crois que je suis différent ? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim ? Hein ? Oui. Alors, tu es toujours toi. Je me sens... différent. Tout... tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai ? Oui. Mais... on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Très bientôt. On rentre à la maison, Hugo. Notre maison. Oui. Hé. Hey. Comment tu te sens ? Toi d'abord. C'est comme... après un rêve étrange. Un rêve horrible. Mais je pouvais pas me réveiller avant de l'avoir fini. Transformé. Comme... une renaissance. Il y a une nouvelle maison qui nous attend, Lucas. Est-ce que tu viens avec nous ? Eh bien... je dirais... que Hugo et toi, vous êtes ma maison. Alors... oui. On est heureux de t'avoir à nos côtés. Salut. Bien dormi ? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ma mère... elle avait une maison. Une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue. Même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh, les gens changent. Amicia, viens voir. Il va bien ? Qui sait ? Et si on lui demandait directement ? D'accord. Tu es vivant ? À ton avis ? Les morts, ça parle pas. Bien fait. Et... je suis désolé pour... mais... pour tout ça. Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil ? Ne le fais pas regretter. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Hé ! Un bateau ! Oh non, c'est le comte ! Il est en train de nous rattraper ! Tu vois ? C'est le problème avec la guerre. C'est pas toi qui décides quand elle s'arrête. Non, non, c'est pas possible. Va à l'intérieur, Hugo. Tu seras à l'abri. Reste à la barre. On va hisser la voile.
Amicia, par ici, avec moi. Et les autres? Ils s'en sortiront. Occupe-toi de la corde, de l'autre côté. D'accord. Allez, plus vite. Ce salaud veut pas lâcher le morceau. Il faut les distancer. S'ils nous abordent, c'est fait. Viens. Ils continuent de gagner du terrain. Oh non, oh non. Qu'est-ce qu'on fait? On est la voile dans le sens du vent. On a besoin d'un meilleur angle. Amicia, pas sur le pont inférieur. Tout de suite. Je vais te donner du mou pendant que tu tires vers toi. Oui. On n'a pas le droit d'échouer, Arnaud. Aucune chance. Ça marche. On prend de la vitesse. Mais ça ne suffira pas. On est arrive. Chargés. Jetez de la cargaison à l'eau. Tout de suite. Donne-moi un coup de main, Amicia. J'arrive. Laissez tous la tête! Je m'occupe du chargement. Vas-y! D'accord. Tiens bon, j'arrive! Vous pensiez vraiment vous enfuir avec mon enfant? Ce n'est pas ton enfant, espèce de fou! Touche-le éternellement, Rita! Ne faites pas de mal à l'enfant! Tuez tous les autres! Vous avez entendu le conte? Tirez! Tirez! Allez au diable! Tous! Tu l'as tué.
Hugo, viens avec moi. Hugo, viens ici! Oh, désolé, petit. Les rats ne t'aideront pas ici. Non! Voyez ce petit être si fragile. C'est bon! T'as gagné! Ne le tue pas! Le tuer? C'est le fils d'Emily! Mon fils! C'est un dieu. C'est un fléau, Victor! Tu dois le laisser s'en aller! Avec sa sœur! Non! Je le dois à Emily. Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le sang, la guerre, que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, les gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes. J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai. Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. Un monde bien meilleur. Reviens ici, lâche! Tu me dois du sang! Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le! Maudit, espèce de sale porc! Chut! Ne crie pas! Pour la douleur, on s'en sert sur les champs de bataille. Hugo! Je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'était le plongeon ou la mort pour nous deux. On doit aller le chercher. Le comte sait de quoi Hugo est capable. Il faut le retrouver avant qu'il ne fasse souffrir encore plus. Partons. Sophia et Lucas sont partis devant pour trouver des chevaux. Serre les dents. Bon sang. Je sais. Accroche-toi. Ça fera vite effet. Le comte, il a dit quelque chose? Tu lui as brisé le cœur et maintenant il veut la guerre. Il compte utiliser ton frère pour conquérir le monde. Il ne restera plus rien à conquérir. Je sais. Sophia et Lucas? Secoué, mais ça va. Le garçon, c'est lui qui a nettoyé tes plaies. Il est doué. Ils sont partis trouver des vivres à l'épave. Je suis si heureuse qu'ils soient en vie. Ils seront contents de te voir. Par ici. Viens, doucement. Ne va pas rouvrir cette blessure. Oui. Je crois que ta potion commence à agir. Quand je pense que j'aurais pu tuer cette ordure de comte. Tu ne pouvais pas gagner ce combat, Arnaud. Il est foutu. Il naviguera plus jamais. Un bateau, ça se remplace. C'est la mer qui compte le plus pour Sophia. Tu comprends? Concentre-toi sur le plus important. Avant de le perdre. Merci. On va le retrouver. Parle comme un vrai chevalier, Arnaud.
Non. Décidément, vous n'arrêtez pas de me surprendre. Où est mon frère, espèce de salaud? Il va rester en lieu sûr. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir. Jusqu'à ce qu'il voie ta tête dans un sac. Jusqu'à ce qu'il sache que ce monde doit brûler. Arthur! Je m'occupe de lui. C'est hors de question. Écoute-moi un peu, tête de mule. Pourquoi? Pour que t'aies droit à ta petite vengeance? Pour que tu puisses sauver ton frère, je vais lui faire avouer où est Hugo. Couvre mes arrières et reste en vie. Ce chien est à moi. Tuez la fille! Je suis avec vous, monseigneur. Les renforts arrivent. Attention, ils sont ici. Lucas, tu es blessé? Non, mais on ne peut pas bouger. Surtout, reste en vie. On va vous sortir de là. Vous n'irez nulle part. Espèce de salaud. Qu'as-tu fait du garçon? C'est mon fils. Mon arme sacrée. L'enfant est avec nous maintenant. Tu ne finiras pas ton œuvre funeste. Oh, on va voir ça! Mais avant, je vous éliminerai tous! Au nom du ciel! Tu es là! Bon sang! Et tout de suite, démolis-les, gamine! T'es plus fort qu'ils ne sont jamais! Où as-tu emmené mon frère? Très bon! Et je t'offrirai peut-être une mort à Où est le garçon? Le temps des compromis s'est arrêté avec Emily. Vous allez mourir! C'est livré à la Macula. Marseille. T'as amené l'enfant à Marseille après ce qu'il a fait à ta foutue île? La ferme! Je ferai le nécessaire. Ouvrez les yeux! C'est trop tard! Maintenant, tout le monde est condamné et il... Arnaud! On doit partir, vite! Vous ne partirez nulle part! C'est quoi cette saloperie? Pauvres idiots! Affrontez la vérité pour une fois!
C'est votre dernière chance. Pourquoi prendre les armes aux côtés de cette sorcière, Arnaud? Pour remplir le vide laissé par ton fils? Ne parle pas de lui. Son sang est sur tes mains. C'était la guerre. Tu nous as abandonnés à l'ennemi. Mais tu peux te rester ici et maintenant. Fais preuve de noblesse. Mets fin à cette folie et laisse partir le garçon. C'est la folie qui fait tourner ce monde. Mais je réglerai ça à ma façon. J'ai tellement envie de te tuer. Mais je vais laisser juste assez de souffle pour me dire où tu as caché Hugo. Ton arrogance. Monseigneur, il faut évacuer. Non, finissons-en. Tuez la fille. Et laissez de tous vous sauver, sale fumier. Puisse la foi guider mon bras et nous mener au jour radieux. Emily est morte. Elle était la seule chance que ce monde avait. Maintenant, agenouillez-vous devant moi. Vous pourrez. Nous vivions en paix. Mais vous avez tout détruit. Tout ce que je possédais. Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges. Ta technique est tellement grossière. Tu as passé trop de temps à t'entraîner avec la bataille. Ces hommes étaient meilleurs que tu ne crois jamais. Ils ont disparu d'un seul coup. Arrêtez-vous. Pour te battre. Et toi, tu n'es qu'un chien trop stupide. Amicia, à toi. C'est terminé. Qu'est-ce que je peux faire? Arrête de beugler. Pardon, je... Je t'en supplie, non. Non. L'heure est venue. Et... Tu m'as permis de finir en beauté. C'est un bon petit gars. Et toi? Je sais. Toi? Thank you.
tuera le soleil. La nébula. Joli coup. Vieil imbécile. On te doit tous beaucoup. Elle est partout. Les rats vont tout envahir. Il a rendu sa sentence. Tu crois qu'on a encore le temps? Quelle importance? Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les rênes. Il faut bien que je m'occupe. Ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien? Non, j'aurais pu... Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. T'as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort, tu comptes? Non. Quelqu'un a aimé